C'est une Z5. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas une Z5, c'est une MX5. MX5. Et elle a une particularité par rapport à toutes les autres qu'on voit habituellement. C'est que ce modèle-là, elle est. Comment dire ça? Elle a un toit dur. Elle a un toit dur, elle a des freins Brembo à l'avant. Pourtant, c'est une voiture de série, hein. C'est pas un modèle qui est comment dire préparé. Véhicule de série, je vais vous montrer ça de suite. Elle se trouve là. Regardez là. Hop là. Problème de caméra. Elle est ici. Vous voyez. On voit déjà à l'arrière. Elle n'a pas le comment on appelle ça le alors bah la capote. La capote en tissu. Hop là, je fais trop trembler la caméra. Voilà. Comme ça, elle est plus stable. Et elle fait vraiment penser à une Z3. Z3 coupée. Bon, c'est. Je sais pas si en termes de gabarit, c'est à l'identique ou pas, mais. Elle a. Je trouve qu'elle. Ça lui va mieux, ce côté coupé que cabrio. Regardez voir ça. De devant. Elle a vraiment ce regard très racing, je dirais. Même un regard méchant. Oh là là. On n'avait jamais vu. Je savais pas qu'ils allaient la sortir. J'ai cru que c'était juste un concept. Voilà, on voit ici. Je trouve très joli ce petit coupé typé racing, un peu course même. Elle a plus de gueule comme ça qu'en cabrio ou en speedster ou je sais pas comment ils appellent ça. Mais.